Eh bien, me voici ici au Riad, à Reims, en compagnie d'Hassan, le patron. Hassan, bonjour. Bonjour. Un cadre, je dirais, idyllique ici. On a vraiment l'impression d'être au pays. C'est ce que vous vouliez quand vous êtes installé ici? Au Maroc, le vrai Maroc. Le vrai Maroc? Exactement, oui. Vous savez très bien que le couscous c'est le plat préféré des Français. C'est vrai. C'est pas un hasard. Et la cuisine marocaine, elle est réputée dans le monde. Donc ici, on fait tous les plats, les entrées, ce que j'encourage mes clients à oser prendre des entrées. Par exemple. Parce que, par exemple, on a la pastilla, pastilla au pigeon, pastilla aux fruits de mer, on a la pastilla au poulet, on a la trilogie des brouettes. Qu'est-ce que c'est? La trilogie des brouettes, c'est de la feuille de brique qui est farcie. On fait tout ça ici, la farce. On a une fruit de mer, une kefta et une épinard haché et fromage de chèvre. Nous voici devant quelques idées d'entrée. On va commencer par de la soupe que je vois ici. Alors l'arrivée, c'est la soupe traditionnelle. Marocain, c'est ce que je dis, moi, c'est notre soupe à l'oignon. C'est la soupe populaire, l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la façon de la faire. Donc, dedans, vous avez de la coriandre, vous avez tomates, oignons, des épices. La mâchouilla, c'est des poivrons et tomates grillées qu'on met au four. Après, on fait revenir. Donc c'est la fameuse mechouilla. Et enfin, alors, trois petits ramequins. Ici, vous avez l'assortiment de trois salades. Donc là, vous avez le caviar d'aubergine, qui est très connu. Et donc, caviar d'aubergine, c'est des aubergines, tomates. Alors, après, vous avez la salade de carottes à la fleur d'oranger, qu'on peut la manger comme entrée ou comme dessert. Les deux se font. Sucré. Donc, et là, vous avez le Bessara, que j'appelle, moi, c'est le plat des porcs, parce que c'est un plat qui est consistant, qu'on mange beaucoup plus l'hiver. Donc, c'est des fèves qu'on laisse cuire jusqu'à 2 heures dans l'eau, jusqu'à ce que ça devienne purée. Et après, donc, on va rajouter, bon, il y a déjà de l'ail, on va rajouter de l'huile d'olive, cumin et paprika. Hassan, on va passer aux plats principaux. Plats principaux avec évidemment, on va commencer peut-être par tagine. Oui, donc là on a le tagine agneau pruneau amande. Donc c'est une particularité, c'est une sauce douce, c'est une sauce un peu sucrée avec de la cannelle. Alors, et là à côté aussi, on a donc c'est une sauce aussi douce. Donc c'est tagine poulet poire caramélisé. Là vous avez le couscous riad. Nous on fait le couscous royal. On a le couscous riad. On la met un peu plus haut que le royal. Le couscous riad. Vous avez une brochette supplémentaire. De bœuf. Brochette de bœuf en plus. Notre cuisine ça demande un peu plus de temps. Donc faut être patient, ce qu'on dit à nos clients. On est un peu long. Mais le résultat, il est là. Même le client, des fois, quand il trouve que c'est long, quand on lui ramène les plats, il oublie. Il oublie la lenteur de service. Bien manger, bien préparé, ça demande du temps. Il faut être patient. Voilà. Merci Hassan pour merci. Ces merveilleux plats et merci à toute votre équipe. Merci. Pour ce que vous nous avez proposé et exclusivement pour Chambre TV. Une merveille. Merci. Regardez-moi cette tablée.